Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. Quelle que soit votre difficulté, quel que soit votre problème, le Seigneur va vous aider à en sortir. Il est tellement sage, il est tellement intelligent, il a tout créé par sa parole. Sa sagesse est immense, plus grande que la terre, plus grande que les cieux. Il est extraordinaire et c'est pourquoi la montagne qui se dresse devant toi, elle sera aplanie, dit le Seigneur. Il va te donner sagesse, intelligence, instruction, discernement pour savoir quoi et comment faire dans cette situation. J'ai un témoignage aujourd'hui qui m'a particulièrement béni. Elle dit « J'avais un ami et je l'aimais tellement que je n'avais plus le temps, même pour Dieu. Je préférais être avec cet ami. » Et lorsque j'ai commencé à suivre votre prière, donc l'émission du 30 décembre 2019, vous aviez le serviteur Michael Lebeau qui parlait de l'humilité. Il y a un changement qui a commencé à naître en moi. Et à chaque fois que j'entendais, j'entendais une voix qui me disait de revenir vers Dieu. Quand le serviteur Michael a parlé dans cette émission, il a dit qu'il y avait une personne qui a donné la place de Dieu à une personne dans sa vie et il fallait que cette personne se repente. Alors mon cœur a commencé à avoir des frissons, j'ai commencé à me repentir. Au même instant, j'ai senti une liberté totale en moi. Une nouvelle force qui est semblable à celle du Saint-Esprit m'a restauré. Et depuis lors, mon amour pour Dieu a repris la place et je remis Dieu sur le trône de ma vie. Vraiment, je rends gloire au Seigneur pour sa bonté envers moi. Malgré mes erreurs, il m'aime toujours et vraiment, je ne mérite pas cela. C'est vrai que nous ne méritons pas son amour, nous ne méritons pas ses compassions et combien elles sont grandes envers nous. Elle se renouvelle chaque matin. Et c'est tellement bon de revenir à Dieu, c'est tellement bon de revenir au Seigneur. Et je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, et qui peut-être justement dans une situation où tu as l'air d'être aveugle, tu es devant peut-être plusieurs portes, ou alors toutes les portes sont fermées et tu ne sais pas comment faire, je voudrais vraiment t'encourager à t'attacher au bon berger. Vraiment, c'est lui qui te dirigera. Dans Ésaïe au chapitre 53, la Bible dit qu'on était comme ses brebis, chacun allait selon ses désirs et on n'avait pas de berger, mais ce berger est venu vers nous et il veut nous diriger, le Seigneur veut nous diriger. Et nous sommes toujours dans le livre de Job et dans le livre de Job au chapitre 38 et au verset 1. C'est donc après avoir discuté avec tous ses amis ou avec ses amis. Job a entendu des choses. Nous savons que sa femme va donner une parole de malédiction. Il va résister à cette parole de malédiction et cette parole va le poursuivre pendant longtemps, appuyé d'ailleurs par les paroles de ses amis qui vont lui rappeler quelque part cette parole de malédiction, maudit Dieu et meurt. Et Dieu se tait, Dieu est silencieux pendant la tempête. C'est comme si Dieu n'a même pas l'air d'être là. Et à un moment, Dieu parle. Et la première chose que Dieu va dire, il est écrit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. C'est drôle parce que ce n'était pas une tempête naturelle. C'était une tempête au niveau des problèmes. Et il va dire, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir, mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Alors Dieu commence comme ça et quelque part ça fait mal. Ça fait mal pour Job, parce que Dieu est en train de lui montrer, mais pour qui te prends-tu? Tu obscurcis mes desseins, mes pensées, tu les enténèbres, tu penses à côté, tu penses de la mauvaise façon, mais finalement, si tu penses si bien, eh bien, comme les vaillants hommes, mets la ceinture autour de toi et commence à m'instruire et moi, je vais t'écouter. Alors, c'est un peu ironique, c'est un peu drôle, la façon dont Dieu vient, mais en même temps, j'aimerais tellement pas entendre ce genre de parole et c'est ce qu'on appelle une parole de correction. Mais en même temps, si j'en ai besoin, je veux l'entendre. Si j'ai besoin d'être corrigé, je veux entendre la parole de correction de la part de mon Dieu. Et si vous avez besoin d'être corrigé, il est important que vous puissiez entendre la parole de correction
de la part du Seigneur. Alors Job, il y avait beaucoup de voix autour de lui. Il y avait beaucoup de façons de penser, il y avait beaucoup de perceptions, de discussions. Finalement, où était Dieu là-dedans? Et vous savez, quand on peut être dans l'Église et on peut être même dans, avec des croyants, des frères et sœurs dans la foi, et on discute, on peut être dans un couple, là on est au lit, on essaie de discuter du problème, on essaie de s'en sortir, on essaie de réfléchir. Mais jusqu'à quand, frères et sœurs? On va réfléchir entre nous. Il faut qu'on laisse la place à Dieu. Il faut que dans cette situation, tu laisses la place à Dieu. Et on dit parfois, et quelqu'un dit, mais je laisse la place à Dieu, je prie. Quand tu as une difficulté et que tu laisses la place à Dieu, tu ne peux pas te lever et vaquer à tes activités sans avoir passé un temps de qualité avec ton maître. Quand tu laisses la place à Dieu, tu lui parles de tout ton cœur. Ton cœur est mis à nu devant lui. Quand tu laisses la place à Dieu, tu médites dans sa parole jusqu'à recevoir une révélation, une inspiration. L'inspiration se cherche. Et Job, il a voulu comprendre pourquoi il lui arrivait ce qui lui arrivait. Et beaucoup de chrétiens, quand il leur arrive des tempêtes, ils veulent savoir pourquoi il leur arrive ce qui leur arrive. Mais souvent, je n'ai pas dit tout le temps, mais souvent, la bonne question à se poser, ce n'est pas pourquoi, mais c'est comment. Comment je vais sortir de cette situation? Seigneur, éclaire-moi, indique-moi le chemin que je dois suivre. Ce n'est pas les Seigneurs, pourquoi tu as laissé ça dans ma vie? Pourquoi tu as accepté qu'une telle chose m'arrive? Pourquoi tu as permis cela? Ce genre de questions vont rebondir comme une balle qu'on lance au plafond. Mais les Seigneurs, comment? Je viens humblement, non pas pour t'accuser, mais pour t'accueillir. Comment je peux sortir de cette situation? J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin d'intelligence. Je viens avec un cœur humble et je me suis peut-être trompé. Peut-être que ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai fait une erreur, j'ai fait un mauvais choix. Peut-être eu du jugement dans mon cœur, un orgueil qui s'est levé au point où j'ai été abaissé. Seigneur, montre-moi. Alors le problème de Job, c'était le silence de Dieu. Mais il est entouré, comme je l'ai dit, de beaucoup de voix, beaucoup de perceptions. Et d'ailleurs, il va parler de ce silence un peu plus tôt, avant que Dieu ne parle. Dans Job 23, verset 3, il dit « Oh, si je savais où le trouver !» Et quand on est dans des tempêtes, on aurait tellement des fois envie de prier ses prières quand on n'arrive pas à trouver Dieu. « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais les propos par lesquels il me répondrait et je pourrais comprendre ce qu'il me dirait. Emploierait-il toute sa force à me faire un procès? Non, mais au moins il ferait attention à moi. Ce serait là un homme droit qui argumenterait avec lui ? Et je serai pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au Nord? Je ne le vois pas. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Au moins, il avait de l'espérance. « Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Je n'en ai pas dévié. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais lui, s'il prend une décision, qui pourra l'en faire revenir? Ce que lui-même désire, il l'exécute. Il accomplira donc le décret qui me concerne et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi je suis épouvanté en face de lui. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. » Et là, on voit vraiment la relation
que Job avait avec Dieu. Le silence de Dieu. Et la mauvaise compréhension qu'il avait de Dieu. Il dit cette parole, c'est fort. Je suis épouvanté en face de lui. Quand j'ai réfléchi, j'ai peur de lui. Il dit, Dieu a brisé mon courage. Et en fait, ce n'est pas les ténèbres qui me réduisent au silence. Finalement, quelque part, c'est Dieu. Job. En fait, si Dieu faisait silence, c'est que Job n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il avait peur de Dieu. On n'est pas censé avoir peur de Dieu. Dieu n'était pas le père de Job, mais Dieu est notre père. Jésus n'était pas venu. Nous avons une alliance avec Dieu. Il n'avait pas la parole de Dieu. Christ n'était pas mort. Il n'avait pas encore anéanti la puissance et l'autorité satanique en triomphant d'elle par la croix, en ressuscitant des morts. Dieu n'était pas son père. C'est tellement pas la même alliance. C'est tellement pas la même relation. Et alors, au chapitre 38, au chapitre 39, Dieu va commencer à lui parler de sa sagesse, la sagesse de Dieu. Il va lui dire, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Déclare-le, si tu le sais, avec ton intelligence. » Il dit, « Dans quoi ces bases ont-elles été enfoncées ? Qui en a posé la pierre angulaire ? Qui a fermé la mer avec des portes ?» Et il lui pose, en fait, de souvenir, à peu près 70 questions. 70 questions. Il est terrassé par les questions que Dieu lui pose et il réalise « J'ai parlé sans sagesse. J'ai parlé sans comprendre. J'ai parlé sans réfléchir. » Ce matin, dans mon temps de prière, je ne sais pas, c'était peut-être juste après, je crois que le Seigneur a voulu que je vous encourage à l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Il faut chercher à être intime de Dieu pour être intime de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste sur nous comme la pluie qui descend ou qui tombe sur nous quand on sort dehors sans qu'on l'ait voulu ni désiré. On doit désirer l'intimité avec Dieu. On doit poursuivre l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est cette recherche de Dieu. Où Dieu devient un, le numéro un. On entendait ce témoignage où j'ai remis Dieu sur le trône de ma vie. Il faut qu'on, quelque part, s'il n'y ait plus, qu'on laisse le Seigneur s'installer sur le trône de notre vie. Mon frère, ma sœur, il y a tellement de grâce dans l'intimité avec lui. Depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai complètement changé ma façon de prier le matin. Auparavant, j'étais toujours chez moi et donc je me levais, j'allais dans un endroit pour prier, ma chambre, le dressing, mon salon, et je priais. Et depuis plusieurs semaines maintenant, la plupart des matins, je sors, je me couvre bien parce qu'il fait froid en ce moment. Moins 15, moins 20, j'ai même marché jusqu'à moins 39 degrés dernièrement en ressenti. Alors, je mets le pantalon, le manteau, je mets comme une cagoule maintenant que ma femme m'a acheté à Noël. Je mets ma grosse capuche, mes gants et je sors et je n'ai pas froid. Et j'aime trop aller quand il fait encore nuit, mais qu'il va bientôt faire jour. Et il fait encore nuit, je marche là dans la glace et j'ai la grâce d'habiter tout proche d'une montagne. Alors, je peux voir la montagne et en 3 minutes, 5 minutes, je suis dans une forêt. Je peux choisir, il y a une autre forêt, il y a des bois qui sont là. Bref, et là, je commence à parler avec Dieu. Je ferme la porte à clé et je parle avec Dieu. Et je suis en train de marcher et c'est différent de tout ce que j'ai fait auparavant.
je lui parle. Comme on parle à un ami. Et je prie pour telle personne, et ensuite telle personne, et les personnes défilent dans mon esprit et dans mon cœur, et les situations, et je prie par rapport à ça. Et je loue Dieu, et dernièrement, il m'est arrivé plusieurs fois, en regardant, il y avait les champs autour de moi, il y a des biches qui ne sont pas loin souvent, je peux les voir, et je pleurais, et je disais, Seigneur, mais quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce de te connaître, quelle grâce de pouvoir respirer, quelle grâce de pouvoir marcher sans avoir mal, vivre, t'appartenir. Quelle grâce. Et c'est un autre style de prière, tout en marchant, où on n'est pas là en train de combattre. Ce n'est pas le combat spirituel, c'est un autre type. C'est la communion, c'est l'intimité. Et j'ai senti ce matin que le Seigneur appelait quelqu'un aujourd'hui dans cette intimité, dans cette relation. Tu as soif et je sens que, comme si le Seigneur dit, tu me manques. Tu me manques. Vous savez, c'est une chose d'arriver, on a, je ne sais pas, on est un enfant, on a notre père qui est là à la maison et il est très occupé peut-être, alors il est souvent au bureau. On va le voir et on entre. On dit, on se met à genoux. « Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de sortir avec des amis. Est-ce que tu peux me donner de l'argent ?» On revient. « Papa, s'il te plaît, je dois aller au cinéma. Est-ce que tu peux me donner de l'argent ?»« Oh, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter des habits ? J'ai besoin de nouveaux habits pour faire du sport. »« Papa, s'il te plaît, il y a tel ami, et là, son vélo est cassé. Est-ce que tu peux payer, s'il te plaît, pour son vélo ?» C'est différent que de venir et que de s'asseoir sur les genoux du Père et de le prendre dans nos bras et de dire « Papa, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » C'est même différent que de venir dans son bureau et de s'asseoir juste à ses pieds et juste de le regarder. Même juste d'être dans sa présence. Tranquille. C'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui manque au cœur de Dieu. Il y a quelqu'un qui manque au cœur de Dieu. Vous savez comment Dieu nous cherche? Comment Dieu te cherche? Tu comptes pour lui. Tu comptes pour Dieu. Tu es unique. Tu n'es pas comme les autres. Chacun est unique. Et quand il y en a un qui n'est pas là, ça manque au cœur de Dieu. C'est comme si le cœur de Dieu souffre. Pour celui qui s'est perdu, pour celui qui s'est éloigné. On peut être dans l'église et être loin. On peut donner sa dîme, les offrandes, être loin. On peut même lire la Bible tous les jours, être loin. On peut prier, être loin. Je peux parler à ma femme ou à ce père, comme j'ai donné l'exemple dans son bureau, et être loin de son cœur. Combien de couples vivent ensemble et ils sont loin l'un de l'autre. Et ils dorment dos à dos. C'était différent à la nuit de noces. C'était différent pendant les fiançailles. On était prêts à faire des kilomètres et des kilomètres pour être ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre cœur a été refroidi. Le temps est venu, les circonstances. Et peut-être que le diable a frappé, la tempête est passée. Et le temps est venu refroidir notre cœur. Il y a quelqu'un qui manque au cœur de Dieu. Il y a quelqu'un qui manque au cœur de Dieu. Il y a quelqu'un qui manque au cœur de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu appelle. Il t'appelle à revenir à cette communion, à cette douce intimité. Juste être avec lui. Et quand je marche des fois et je pars pour une heure comme ça, il n'y a pas forcément des éclairs, des tonnerres, des visions.
Mais j'ai remarqué que régulièrement, je recevais des pensées de lui. Des trucs, j'aurais jamais pensé à ça. Il me parle. Quand tu lui donnes la place, il te parle et c'est pas... Il ne fait aucune différence. Et s'il y a quelqu'un qui croit, oui, mais toi, t'es Jérémie, c'est toi qui prie dans prière inspirée. Mais tout ça, ça vaut rien. Ça vaut rien. S'il n'y a pas de communion avec Dieu réel, ça ne vaut rien. On pourrait faire des miracles. Jésus va dire à certains, je ne vous ai jamais connu. Et ce mot, ce verbe, c'est connaître intimement. Il y a des gens qui font des choses pour Dieu, mais pas avec Dieu. Ils ne le connaissent pas intimement. C'est l'intimité dans l'esprit. C'est comme quand l'homme et la femme se rencontrent, se connaissent. C'est une intimité qui n'est pas juste avec le toucher. C'est spirituel. Quand l'Esprit de Dieu nous sauve, qui vient habiter dans notre cœur, ça change tout. Il y a quelqu'un qui revient à Dieu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui avait peut-être peur de Dieu et qui revient au Seigneur. Ou qui est sauvé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es merveilleux. On est émerveillé. Émerveillé dans ton amour. Émerveillé par ton amour. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Tu es bon. Tu es bon. Tellement bon. Tellement bon. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je viens vers vous. Il est temps de passer du pourquoi au comment. On doit changer de stratégie. Dans Ésaïe au chapitre 28, il est écrit « Celui qui laboure en vue de la moisson le fait-il constamment? Est-ce qu'il remue et il bêche sans cesse son terrain? » Non. Il y a d'autres étapes après. Il va devoir aplanir le sol et il va devoir semer d'une façon particulière. Il est écrit, « Ne met-il pas le blé par rangée, l'orge à une place marquée, les pôtres sur les bords ? Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre, il l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec le traîneau, la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. » Mais on bat la nigelle avec un bâton, le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain. On ne le bat pas indéfiniment. Et si on fait passer la roue du chariot et les chevaux dessus, il n'est pas écrasé. Cela vient aussi de l'Éternel, le maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Et on voit ici, par cette image, cette illustration de celui qui va semer que il y a tout un processus mis en place. Et c'est un processus de sagesse. C'est un processus d'intelligence. Et Dieu dit, c'est Dieu qui lui a enseigné la règle à suivre. Il l'a instruit. Mon frère, ma sœur, dans cette situation et ce problème, Dieu va t'instruire. Il est écrit, il distribue de merveilleux conseils. Nous savons que c'est Dieu qui distribue à tous sans faire de reproches. Il distribue de merveilleux conseils. Et il augmente les capacités de discernement. Oh Seigneur, augmente, oui, les capacités de discernement. Tu augmentes mes capacités de discernement. Plusieurs personnes, vous avez labouré, 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 labouré encore. Seigneur, mais pourquoi? 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 Mais il est temps de changer, de passer. Il faut changer le processus.
Il faut changer de stratégie. Seigneur, comment ? Il faut aplanir le sol. Il faut semer par rangée, de façon intelligente. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous savez, quand il dit ça, c'est, je crois, le seul chapitre où on voit autant de disciples qui posent des questions à Jésus. Il y a, dans ce chapitre, ou dans les versets précédents, Jean a posé une question à Jésus. Pierre a posé une question à Jésus. Thomas a posé une question à Jésus. Jude a posé une question à Jésus. Philippe a posé une question à Jésus. Les cinq disciples, l'un après l'autre, vont poser une question à Jésus. Et c'est là, au milieu de cela, que Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viens vers vous. » Et il dit, « Si vous m'aimez, » et c'est là que ça commence. « Si vous m'aimez, » et vous savez, si nous l'aimons, nous serons assez proches de lui que nous entendrons sa voix. Jean était couché sur la poitrine de Jésus et il lui a posé la question, une question. Et si tu es loin de Jésus, comment tu entendras sa voix? Lui, il t'entendra, mais toi? C'est pour ça que Jésus dit, si vous m'aimez, ça commence pas. Si on l'aime, mon frère, ma sœur. Il dit, si vous m'aimez, si nous l'aimons, nous l'entendrons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est là, il est là. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas, ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. On n'est pas comme Job. On le connaît. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et il dit, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. En réalité, en fait, si nous l'aimons, on va garder ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si nous l'aimons, il va se faire connaître à nous. C'est une grâce. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et si Job a pu voir sa vie être complètement transformée parce qu'il s'est humilié, il a prié pour ses amis, obéi à Dieu. Comment Dieu lui a donné le double? Et nous le verrons demain, de tout ce qu'il avait auparavant. Mais que va-t-il se passer pour nous? Nous allons le voir demain dans Prière inspirée. Vous allez voir que notre futur est glorieux, qu'il est entre les mains de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.